Ce que je pense, ce sera peut-être un peu étrange, mais ça n'a en fait pas tellement d'importance. On partira de la réalité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'issue aux négociations, il n'y a pas encore d'accord politique. Je souhaite qu'il y ait un accord politique le plus vite possible, un bon accord. Et bon, si cet accord n'est pas là, on continuera à assurer les affaires courantes. Je crois en effet qu'il faut être très vigilant au niveau des marchés financiers internationaux. Mais d'un autre côté, les fondamentaux économiques de la Belgique sont vraiment très très sains. Et donc, depuis quelques mois, on s'efforce à démontrer à chacun qui veut nous écouter quelle est la situation réelle du pays, de la Belgique au niveau socio-économique. Et nous arrivons à démontrer qu'en effet, cette situation est saine. Mais la Belgique se transformera comme elle l'a fait par le passé. Depuis 40 ans, on a eu des vagues successives de réformes institutionnelles. Et donc la Belgique de demain sera différente de la Belgique d'aujourd'hui, mais elle assurera ses dettes comme elle l'a fait par le passé.